Nervino di Lecce est situé dans le Salento méridional, à quelques kilomètres au sud de Otranto. Le territoire fait partie de l'union des communes de la côte orientale, avec Ortelle, Castro et Santa Cesarea Terme. Parmi ces terres, on peut admirer de nombreux témoignages mégalithiques, héritage monumental de la présence stable de l'homme attesté déjà à l'époque des métaux. La campagne qui entoure le centre habité est très suggestive et se ramifie en trame d'olivier vers les hameaux de Speccagallone et Cocumola. Les verdoyants étendus, caractérisés par des florissants et anciens arbres monumentaux, sont la synthèse évidente de l'économie de la ville, étroitement liée à la vocation agricole, notamment à la production de l'huile, du vin et des produits céréaliers. L'architecture de la civilisation rurale s'articule autour des campagnes de Minervino et elle est bien visible dans les suggestives murets de pierre sèche, réalisées au cours des siècles par les fermiers locaux. Il est facile de rencontrer dans cette merveille les paillards, des constructions typiques salentines, édifiées pour conserver les outils agricoles ou comme logement en été. Les merveilles et les curiosités poursuivent également sur la côte orientale, où on peut admirer la tour côtière Minervino, située sur la route provinciale Otranto Santa Cesarea Terme. La tour a été construite au XVIe siècle, au frais de l'ancienne Universitas de Minervino, pendant le royaume de Charles V de Habsbourg. Aujourd'hui destination de nombreux touristes et curieux à la recherche de spectaculaires photos du paysage. Minervino di Lecce, c'est une ville à découvrir, mais aussi à savourer. En effet, la tradition agricole se combine parfaitement avec l'innovation œnologique et culinaire, grâce notamment aux excellentes caves vitivinicoles qui animent les territoires, reconnues et appréciées pour leur qualité par des importants experts italiens et étrangers. La simplicité des lieux et les talents pour l'accueil rendent Minervino un bourg ravissant, embelli par des monuments historiques artistiques importants et par la gentillesse des habitants et le professionnalisme des opérateurs touristiques. L'identité historique de Minervino di Lecce est visible dans la beauté de l'ancien bourg, embellie par des élégantes architectures réalisées grâce à l'emploi de la caractéristique pierre locale. L'église paroissiale dédiée à l'archange Saint-Michel combine la simplicité de la tradition architecturale de la terre d'Otranto avec la grande habileté des maîtres maçons salentins. La rosace domine la façade de l'église et des luxuriantes sculptures en adornent avec opulence tous les périmètres, caractérisés par des éléments à feuillets d'acanthe et motifs végétaux. D'autres dessins sont placés sur l'architrave de l'entrée latérale qui donne sur la place Umberto I. À nous, on peut admirer la statue de Saint-Michel, patron titulaire de l'église et protecteur de la ville. Le projet de construction de l'abside est monumental et il est visible de l'extérieur dans ses formes puissantes et riches de références au goût antique. L'intérieur de l'édifice présente une seule nef et sur les côtés, on peut noter les autels en pierre ornés avec soin par la dévotion et la pitié des habitants. Dans la place 4 novembre, on rencontre l'église de Sant'Antonio da Padova. L'extérieur est sobre et simple, et cette linéarité est interrompue
par les ordres des arcades du complexe conventuel. L'église était autrefois annexée au couvent de Pères Mineurs réformés, où nombreuses œuvres de grande qualité artistique et récemment restaurées sont conservées. En se promenant dans les bourgs anciens de Minervino, on peut observer l'histoire de la ville. On peut admirer en effet le solennel palais ducal de Venturi, appelé à juste titre par les habitants « Nouveau Château » pour sa fonction défensive et représentative du pouvoir féodal. L'opulence de la famille Venturi est visible dans l'ancien palais situé dans Via Castello. Le portail en bossage ressort avec ses formes austères et linéaires, et à nous, on peut admirer l'historique blason héraldique de la famille. Il est facile de se perdre dans ces beautés monumentales où l'attention est accordée à la préservation et valorisation du patrimoine culturel, des vertus qui enrichissent les paysages urbains d'émotions suggestives et des scènes artistiques charmantes. Des Cocumla appartient à la commune de Minervino di Lecce. Le petit centre est disposé en éventail autour de la place du village, dédiée au saint patron Nicola di Mira, fêté par les habitants la première semaine d'août. Ici, on peut noter les anciens édifices nobiliaires. Parmi ceux-ci ressort Palais Pasca, pour sa physionomie articulée d'anciennes résidences nobiliaires. La façade est dominée par un portail richement élaboré, tandis qu'une élégante balustrade, fruit des modifications remontant à la fin du XVIIIe siècle, enrichit la structure. Autrefois, l'édifice devait posséder une organisation structurelle défensive, comme le rappellent les restes d'anciens éléments architectoniques militaires, datant de la fin du XVIe siècle. Dans ces paysages typiques du Salento méridional, on peut revivre les vers du grand poète Vittorio Bodini, recueilli dans l'œuvre La Luna dei Borboni, en Sicité. Un village qui s'appelle Cocumla, c'est comme avoir les mains couvertes de farine et une petite porte de couleur vert citron. À quelques mètres de la place, on peut admirer les traits sobres de l'église paroissiale, résultat des changements apportés pendant les dernières années du XIXe siècle. En poursuivant vers les abords du village, on rencontre la petite église dédiée à la Vierge de l'Assomption, connue à Cocumla comme la Vierge de l'Ouragan. La chapelle est appelée dans cette manière pour les violentes pluies qui se sont abattues dans la zone orientale du Salento en 1832. Une tempête qui, selon les dévoués, a été atténuée par l'intervention salvifique de la Vierge. Cocumla est connue aussi pour la bonne cuisine traditionnelle, proposée dans un joli contexte familial, dans les nombreux bistrots du centre historique. C'est une bonne occasion pour visiter les villages, capables d'unir la beauté du paysage du Salento à la qualité des plats typiques de la terre d'Otranto. Thank you.
dans le petit bourg Speccagallone, hameau de Minervino di Lecce, on peut noter la beauté du Salento authentique. Le village a été lié pendant des siècles aux vicissitudes de la famille des princes Gallone de Tricase, parmi les familles nobilières les plus aisées du Salento méridional. Le palais baronial, datant du XVIe siècle, positionné le long du périmètre de la place du village, conserve encore les blasons héraldiques de la famille des Gallone, qui trône au centre de l'élégante balustrade latérale. La façade principale du palais porte l'emblème des San Giovanni, famille appartenant à la noblesse de Alessano, feudataire de Svecca après les princes de Tricase. Dans la physionomie de l'édifice, on peut admirer les différentes interventions architecturales réalisées au cours des siècles, afin d'endoucir et ennoblir une ancienne structure militaire et austère. On peut noter d'autres références à la grammaire héraldique du coq sur les sculptures du portail de l'église paroissiale, dédiée à Saint Blaise, protecteur du village. Très suggestive est l'iconographie du XVIIe siècle, qui figure sous la décoration en pierre, inspirée du thème de la Passio Christi et du Memento Mori, comme la croix, la colonne de la flagellation et le crin. L'intérieur en une seule nef, dominée par la chaire monumentale, totalement réalisée en pierre de Lecce. L'hôtel central est unique en son genre dans le territoire salentin, grâce aux complexes motifs polychromes. Les beautés picturales de Speccagallone sont concentrées dans les peintures pariétales conservées dans l'église de Sant'Anna, un joyau artistique des grandes valeurs culturelles. L'édifice se détache sur la route qui conduit à Poggiardo, à la périphérie du centre habité, et il présente à l'extérieur les signes évidents d'importantes modifications structurelles effectuées au cours du temps. À l'intérieur, on peut admirer l'élégance des peintures, qui remontent au XVIe siècle salentin, de représentations de grande qualité et maîtrise. Les fresques, divisées en scènes, rappellent les vicissitudes de l'Évangile et de l'Ancien Testament, représentées de façon claire et simple dans le style de la Bible Pauperum. Très suggestive est la représentation du Jugement dernier, peinte le long de la contre-façade de l'église. L'ancienne et noble histoire de l'économie agricole de Speccagallone est visible le long de la route qui conduit à Minervino. Les grandes fermes du XVIe siècle attirent l'attention des visiteurs avec leur façade monumentale, aujourd'hui rénovée et visible au public. Ces structures cachent souvent des joyaux au sous-sol, comme par exemple des anciens greniers de dimensions surprenantes. Le passé de l'identité salentine, avec sa beauté et ses précieux témoignages culturels, revivent à Speccagallone dans les soins des lits et dans l'accueillance grecque des habitants du bourg. L'histoire de Minervino di Lecce garde un important patrimoine appartenant à la civilisation mégalithique salentine. Représentatif est le dolmen Liscusi,
situé le long de la route provinciale qui lie la ville à Uggiano la Chiesa. Découvert par Mario Antonio Micalella en 1867, l'Iscusi est l'un des dolmens les plus imposants des Pouilles et parmi les premiers monuments mégalithiques qui ont été étudiés en Italie pendant les recensements survenus entre le 19e et le 20e siècle. La plaque supérieure présente un trou de 20 cm de diamètre qui probablement dans l'Antiquité avait une fonction culturelle ou astronomique. Récemment, l'administration communale de Minervino a institué les parcs culturels Dolmen d'Iscusi afin d'améliorer les activités de protection et valorisation du monument à travers la promotion d'itinéraires touristiques intéressants menés par le système environnemental et culturel des Serres Salentines. Le menhir Monticelli, situé à quelques kilomètres de la ville et dans l'homonyme localité, caractérise le patrimoine mégalithique de Minervino. Découvert en 1951 par Giuseppe Palumbo, le monolithe probablement était autrefois plus grand. Maintenant, il a une hauteur de 2 mètres et 25 cm. A Cocumula, dans Via Savoia, on peut admirer le menhir Croce, autrefois situé en rase campagne, comme le rappelle le géologue de Lecce Cosimo De Giorgi dans son recensement. Le monument atteint une hauteur de 3 mètres et 20 cm, tandis que la base mesure 63 cm. Les précieux témoignages mégalithiques enrichissent le territoire de Minervino de mystères et charmes, un patrimoine qui évoque l'ancestrale vocation spirituelle du Salento et les liens étroits avec la nature et la terre.